3, 2, 1. Disneyland Paris est maintenant officiellement réouvert. Dès 10h, ils étaient des milliers à franchir les grilles du parc. Téléphone à la main pour immortaliser ce premier jour de réouverture. Bah, je me suis dit que c'était l'occasion de marquer le coup de la réouverture et les enfants avaient envie de venir depuis pas mal de temps, donc on était contents d'être là. Avec des mesures d'hygiène renforcées, tous les visiteurs doivent réserver leur place à l'avance et seulement en ligne. À l'intérieur du parc, 35 km de marquage au sol et 2000 distributeurs de gel hydroalcoolique. Dans certaines attractions, une rangée sur deux est condamnée. Le port du masque est obligatoire pour tous à partir de 11 ans. Et la rencontre avec les personnages de Disney se fait à distance. Mais qu'importe, après 4 mois de fermeture due au coronavirus, le plaisir est non dissimulé. Pour nous, c'était vraiment important, après une période de stress aussi grande, de pouvoir retrouver un petit peu de magie et de pouvoir oublier tout ce qui se passe dans le monde pour l'instant. Pour limiter les flux, le parc accueille près de 10 000 visiteurs journaliers, contre 70 000 au meilleur de la période estivale. Les attractions sont régulièrement désinfectées pour éviter tout risque d'infection à l'intérieur du parc. Un parc qui représente à lui seul près de 7% du tourisme en France.